C'est une fierté de voir un footballeur guinéen à ce niveau aujourd'hui et d'être nominé parmi les 10 meilleurs joueurs africains déjà. C'est un exploit, c'est qu'il a travaillé dur pour être là où il est aujourd'hui. Donc il le mérite amplement et étant guinéen, ancien footballeur, c'est une fierté pour le pays. C'est amplement mérité qu'il soit parmi les 10 meilleurs déjà du football africain. Comment vous voyez l'évolution du football actuel? Est-ce que pour vous cela est déjà fait ressortir vraiment ce que les joueurs sont en train de faire, les joueurs guinéens à l'international? Je n'ai pas bien compris votre question. J'ai dit, est-ce que cela fait ressortir l'exploit des joueurs guinéens à l'international? Ben évidemment, évidemment, parce qu'il est à un niveau, déjà il est à un niveau international, du moment qu'il joue déjà la Ligue des Champions et il est dans un championnat qui est reconnu dans le monde du football, ça va tout naturellement impacter aussi sur les footballeurs guinéens. Et là aujourd'hui, le plus important serait qu'il soit élu meilleur footballeur africain et qu'il ait le ballon d'or parce qu'il le mérite amplement. Je ne vois pas un autre joueur gagner le ballon d'or cette année devant Guirassy parce qu'il a fini deuxième meilleur buteur du championnat allemand derrière Harry Kane qui joue aussi au Bayern de Munich et que lui étant un joueur du Stuttgart qui n'est pas, comment dirais-je, enfin, c'est un grand club, mais qui n'est pas au-dessus du Bayern, c'est tout un exploit parce que c'est sur une saison. Et il est sur la, comment dirais-je, il est sur cette dynamique aujourd'hui. Vous êtes confiant vraiment que Guirassy va remporter ce ballon d'or africain au cas où ici cela arrive? Donc si ça ne dépendait que moi, je leur ai donné le ballon d'or. Moi, je donne juste mon avis en tant qu'ancien et technicien à la matière. Donc, pour y arriver, est-ce qu'il ne mérite pas le soutien de tous les Guinéens pour derrière lui? Ben évidemment, mais déjà, le plus important, déjà, ça va se jouer sur le terrain. Le CILI, il nous reste encore 2 matchs. Et c'est aux joueurs, c'est partenaires du CILI de se mettre à diapason à mille morceaux pour Guirassy en l'aidant à scorer encore pour les 2 derniers matchs du CILI et en l'accompagnant, ses coéquipiers déjà du CILI, en l'accompagnant sur le terrain, ça va impacter aussi sur la qualification du CILI, rendre heureux Guirassy et en n'oubliant pas non plus qu'il y a la qualification pour la CAN de 2025. Les deux vont de pair. Accompagner Guirassy, si Guirassy marque, c'est que nous autres qui sommes supporters du CILI, nous allons être contents.